Yo les potes, Senskyo, nouvelle vidéo. Je vais vous montrer toutes les nouveautés, les nouveaux skins Fortnite, etc. Et je vais vous montrer les fakes aussi, parce qu'il y a des skins qui tournent en ce moment qui sont fakes. Donc voilà, on va commencer par ce pack. Et les gars, je sais pas encore si c'est vrai ou pas, mais cette image tourne énormément, et pas juste cette image. Donc j'espère que c'est vrai, j'espère pitié que c'est vrai, parce que genre, c'est incroyable. Le Joker, les gars, c'est mon méchant de DC Comics préféré. Donc s'il sort. En plus, regardez, ça sera un bundle, donc un pack. Il y aura le skin du Joker, hop, au milieu. En vrai, il est beau. Il est stylé. Il y a Poison Ivy, donc c'est une meuf des DC Comics, pareil, c'est une méchante. Elle a du poison, etc. Et Midas, avec une nouvelle custom, en mode robot doré bizarre. C'est plutôt stylé. Donc voilà, la première image. On peut voir en bas à droite DC Comics, The Joker, Poison Ivy, and all. On bat les couilles. Ensuite, du coup, une autre image, je vous montre. Voilà. Où on voit un peu plus sa pioche. C'est la même qu'Harley Quinn, mais en mode Joker. Mais c'est un peu la même. Ensuite, du coup, ben là, juste. Je crois apparemment, ça c'est un CD, genre un disque. Mais c'est parce qu'en gros, ça va être comme le pack Darkfire. Vous pourrez l'acheter en magasin. Genre, si vous allez à Micromania, vous achetez le disque. Et il n'y a pas de disque, mais genre, il y aura juste un code dedans. Je crois, j'ai une quatrième image, voilà, où on voit un peu plus le Joker. En gros. Ensuite, attention. Wolverine. Alors, cette image, elle tourne pas énormément. Mais pourtant, regardez, elle a l'air plutôt crédible. Mais ça se peut que ce soit un fake. En tout cas, apparemment, Wolverine est dans les fichiers du jeu. Donc, Wolverine, c'est un Marvel, pas un DC Comics. Du coup, voilà. Si jamais c'est vrai, je vous le mets au cas où. Alors que le pack du Joker, genre, il a l'air clairement vrai. Ça a pas l'air d'être du fake. Alors que le Wolverine, on sait jamais. Mais apparemment, il est dans les fichiers du jeu. Donc, voilà. Comme ça, vous savez. Donc, voilà une deuxième image. Spider-Man aussi apparemment, qui pourrait être dans les fichiers du jeu, mais c'est pas sûr, je vous le dis au cas où. Donc Spider-Man à Marvel. Ensuite, on va parler de la coupe, Rise the Cup. En gros, ben, c'est une compétition, le 18 août, comme il y a marqué ici. C'est une compète où vous pourrez débloquer la coupe. Donc c'est une danse lever la coupe. Comme la danse de l'année dernière, Coupe du Monde World Cup, qui est ultra rare et qui ne ressortira plus. C'est la même, mais en un peu moins bien. Avec une musique apparemment copyright. Je sais pas pourquoi il y a Liverpool en bas à gauche, ça a peut-être un rapport avec. En tout cas, en Europe, il faudra faire top 1000, donc être dans les 1000 meilleurs joueurs pour l'avoir, c'est très 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 dur. Donc en tout cas, voilà, bonne chance à tous. Et sinon, il sera dans la boutique au prix de 200 V-Bucks. Ensuite, Galactus, qui sera normalement dans la boutique Fortnite également. Voilà un aperçu. Femelle, apparemment ce sera un skin fille alors que c'est un garçon. Bref, voilà, ça c'est pas un concept, mais genre, c'est pas encore sûr à 100%, mais beaucoup de gens parlent de Galactus, vous le savez. Ensuite, ça c'est fake, mais je vous montre quand même. Par contre, apparemment, dans la saison 4, le héros secret, comme Deadpool et Aquaman, ce sera Thor. Moi je serais très content parce que c'est mon préféré de chez Marvel, mais j'aimerais bien que ce soit dans la boutique parce que s'il est dans le pass de combat, tout le monde va l'acheter, enfin tout le monde va l'avoir gratuitement, donc il sera pas rare. Alors s'il sort dans la boutique, c'est beaucoup mieux. En tout cas, voilà, les skins de derrière, c'est des concepts. Voilà, c'est complètement du fake. Regardez, là, y a le monsieur de Julie. Et là, y a, je sais pas qui derrière. Bref, ensuite, ici, un autre skin qui est dans les fichiers du jeu. Hop, pareil pour lui, les gars. Apparemment, les deux, ils seront ensemble. Voilà, ils sont dans les fichiers du jeu en crypté. Ensuite, ça, c'est un concept. Donc, c'est pas du vrai, c'est du fake, les gars. Mais avouez qu'il est ultra bien fait quand même. Donc c'est Ariana Grande, je crois. Si je me trompe, dites-le moi. Apparemment, ses cheveux seraient réactifs dans le concept. Donc genre, ils montent et ils descendent, etc. Le petit sac à dos, très très stylé. Et le dernier concept, c'est Drake. Drake, il devrait sortir en skin Fortnite, pareil. Sauf que ce sera pas celui-là. Là, il est pas beau, c'est un concept. Mais il est dans les fichiers du jeu, apparemment. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et pensez au code créateur NCU dans la boutique au 100 soutien. Et ben j'offre un cadeau à un abonné. Et n'oubliez pas, il y a aussi un compte à gagner, j'ai fait un concours, le résultat sera bientôt, vous inquiétez pas. Et s'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, marquez dans les commentaires sushi, voilà sushi. Avec vous marquez si la vidéo elle est bien, mais vous marquez sushi. Voilà, ciao les potes, ciao.